Tu vis dans un monde où il n'y a pas de sécurité. Le monde est dangereux. Il y a des guerres, il y a des voyous, des malhonnêtes. Et toi, tu te retrouves en plein milieu de tout ça. Comment comprendre que tout ce que le monde dans lequel tu es, c'est le monde que tu as fait. Tu peux pas pointer du doigt en disant c'est de sa faute, parce que ce monde nous appartient à tous. La relation qu'on a tout un chacun découle de nos actions. Et nos actions ont fabriqué la relation. Et la relation a fabriqué un monde, a fabriqué nos sociétés. Donc, tout coule depuis l'intérieur de soi. Soi fait exister le monde. Donc le monde que tu connais, toi et moi, c'est le reflet de ce que tu es. Et quand tu regardes le monde, si tu accuses le monde, tu dis lui il est voleur, lui il est menteur, lui il est ceci, lui cela, alors, quelque part, tu accuses toi-même. Parce que ce qui existe vraiment, c'est ce que nous avons mis en place. Et nous avons mis en place depuis, pas seulement maintenant, dans le cours de l'activité mondaine que nous avons tous les jours, mais ça a été construit depuis des millénaires. Nos aïeux ont mis en place des événements, des situations. Et ces situations se sont perdurées à travers les générations suivantes. Parce qu'elles avaient l'air d'être bien, c'était une tradition, on répétait les choses pour faire en sorte que on les perdure parce qu'elles étaient importantes. On croit que cela est important. Donc on remémore tout ce qu'on a vécu et puis on donne à cela de l'importance et on le restitue, on le donne encore de la valeur. Donc, les traditions, tout le savoir que nous avons est restitué dans les moments où on vit et on le redonne à nos enfants. Et ainsi va le monde. Le monde, il est fait de ce que nous avons vécu et que nous avons conclu que c'est ça, vivre. Et tout va comme ça, depuis la nuit des temps. Nous sommes le passé qui vient dans le présent pour faire exister ce que nous savons, les idées que nous avions, l'idéal que nous avons, les rêves que nous avons. Nous les prenons de nos passés, de tout ce que nous avons vécu. Nous les emmenons dans le présent et à ce moment-là, quand on l'a bien concocté, eh bien, on le projette dans le futur, à travers nos enfants, à travers nos rêves. Et tout cela crée dans le monde le chaos
Parce que ce n'est pas la vie que l'on a qui est présent, mais c'est un système mécanisé qui se répète tout le temps. Tu regardes nos sociétés, comment nous vivons, ce n'est que la répétition de tout ce que nous voulons mettre en place. On a mis en place une certaine règle et on les répète. On a mis en place une certaine façon de penser et on les répète. On a mis en place les modes de vie que nous avons dans nos sociétés et on les répète. Et parce que nous avons tout répété, nous n'avons pas vécu la vie. Que toute cette mécanisation, cette routine, ces actions quotidiennes qui sont faites sans la présence d'esprit, fait que tout ce que nous sommes à ce moment-là, ce n'est que le passé qui se réitère. La plupart d'entre nous sommes inconscients de ce qu'est vivre vraiment. Nous passons tout notre temps à créer le monde de nos désirs, de nos rêves, de nos envies. Nous marchons avec plein d'idées, plein de croyances, et ces croyances deviennent tellement importantes qu'on les matérialise. On construit des institutions, des églises, des temples. Et toute l'idée que nous avons de ce que nous pensons être vrai, on le restitue à travers un rituel. Mais tout ça, ce n'est pas vivre. C'est répéter les mémoires que nous avions acquises et que nous remettons en circulation en disant des choses que l'on aimerait qui se produisent. On dit ce qu'on aimerait avoir, le désir que l'on aimerait, c'est d'avoir un monde merveilleux, d'avoir une vie merveilleuse, d'être joyeux. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on a projeté. Mais finalement, la réalité, elle est là. Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on vit vraiment la vie? Ce que nous faisons, nous la répétons, c'est tout. Parce que nous sommes conditionnés, nous nous sommes identifiés à l'être humain que nous sommes, tout ce que nous avons appris, la connaissance que nous avons, nous nous sommes identifiés à ça comme étant soi. Et ce soi se meut dans l'instant présent pour stipuler ce qu'il est. Et ce que tu es est un paquet d'histoires que tu as vécues et que tu remets en effervescence. Tu penses au bon moment que tu as vécu et que tu n'as plus. Et que tu voudrais tellement retrouver ces moments-là. Notre vie, elle est faite de choses qu'on aimerait avoir. Et ce qu'on aimerait avoir, ce sont les idées que nous avions, les vécus que nous avions, les joies que nous avions. Mais tout ça n'existe pas. C'est que dans ta tête, c'est l'illusion de la vie que tu te fais et que tu espères pouvoir en jouir. Donc nous avons fait un monde idéalisé que nous projetons dedans et nous le fabriquons en même temps avec toutes nos actions de tous les jours pour arriver à atteindre
ce que l'idée est. C'est pour ça que dans ce monde, ce que tu trouves aujourd'hui autour de toi, ce sont les choses que nous avons envie. Tout ce que tu vas trouver dans le monde, ce sont des choses qui te font envie. Le téléphone, la belle voiture que tu peux te déplacer avec, les beaux discours d'un prêtre qui te dit comment la vie allait. Donc tu es happé par tout un monde qui te donne ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as envie d'avoir. Et on te raconte que depuis que tu es tout petit, comment tu devras faire pour arriver à être ce que tu désires. Et toute l'éducation est faite ainsi. Tu parcours l'existence et tu entends toujours autour de toi, avec des regards qui te protègent, soi-disant, qui te disent qu'ils t'aiment, et ils te donnent ce que ils pensent pouvoir faire en sorte que tu sois heureux. Donc ils te disent, va à l'école, apprends bien, tu auras un jour la situation idéale. Et nous sommes tous en train de nous leurrer les uns les autres pour nous donner une direction, pour pouvoir arriver à être ce que le désir ultime il est. Le désir ultime dans ce monde, c'est de réussir sa vie, d'avoir beaucoup d'argent. C'est le conte des fées que nous avons entendu quand nous étions enfants. Et ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent heureux dans leur maison, riches, où ils avaient des serviteurs avec des plateaux qui leur donnaient tout ce qu'ils voulaient. Ça, c'est la vie idéale. Et tout le monde cherche cette vie, cherche à être servi pour ne pas se retrouver dans la difficulté du serveur. Donc dans ce monde, il y a celui qui est servi et celui qui sert. Celui qui sert, on l'appelle esclave, et celui qui est servi, il est esclave de l'esclave qui le sert. Parce que il est dépendant de ce que les autres vont lui donner pour qu'il puisse continuer à être heureux dans son illusion. C'est pour ça que nous sommes dans un monde où nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Et en continuant comme ça, en ayant toujours cette pratique de se soumettre les uns aux autres, alors on tombe dans le piège. Dans le piège de la victime et du bourreau. Et on est prisonnier, on est en prison, là. On est prisonnier de ce cercle vicieux qui se perpétue. Donc, on a passé toute notre vie à entendre qu'il faut se plaire les uns les autres, faire attention à l'autre et faire en sorte que tu dois écouter ton père, ta mère, l'autorité qui te dit comment tu dois être. Et toi-même, un jour, tu deviens père, et ben tu fais pareil. Et tu formates ceux qui sont plus petits ben, à poursuivre toujours le même destin. Et ce destin, c'est de se retrouver dans un cercle vicieux. Donc, on se retrouve tous aujourd'hui dans un cercle vicieux qu'on a fabriqué nous-mêmes, que l'homme a fabriqué pour l'homme, pour que l'homme puisse être heureux. Mais si toi, tu comprends tout ce mouvement et que tu peux le voir et tu vois où ça te mène tout ça, tu n'es pas dans le roulement, dans la roue qui tourne. Tu es sorti de la roue, tu regardes qu'est-ce qui se passe. Tu t'aperçois que tout ça, ça nous emmène à la destruction. Tu regardes le monde,
tout ce que nous voulons, eh ben, il faut se battre pour l'avoir. Et nous avons un monde qui se bat. Et dans ce combat, il y a l'émergence des rangs sociaux. Il y a le riche, le pauvre, il y a le grand, le petit, on compare, on imite. Et en fait, on est prisonnier de ce qui va nous donner de la valeur. Donc on va choisir toujours de diviser les choses pour pouvoir en prendre la substance qui donne la valeur. C'est pour ça que nous voulons diviser, c'est-à-dire nous voulons comparer, nous voulons dire que là il y a l'américain, là le chinois, là il y a le bien, là il y a le mal. Nous comparons tout. Nous disons elle, elle est jolie, mais elle, elle est moins jolie. Mais nous ne considérons pas l'être humain à ce moment-là. Nous, on se considère soi, comment on sera valorisé par ce qu'on a pu avoir. Parce que nous, les êtres humains, on veut toujours accéder à quelque chose qui va nous donner un sens de bien-être, un sens de sécurité, en disant « ça, c'est mon pays ». Et tu vois, cette façon d'être, quand tu dis être nationaliste, eh ben, tu crées au sein de nos sociétés de la divergence. Parce que le nationalisme va faire des frontières. Le nationalisme sera racial. Elle va prendre le bien-être de ses partisans plutôt que le bien-être global. Donc tout est divisé dans ce monde. Nous avons divisé nos pays, nous avons divisé nos familles, nous avons divisé moi et toi pour pouvoir trouver dans le privilège que l'on aurait pu, qu'on peut avoir, quelque chose qui nous valorise, qui nous donne une certaine grandeur d'être, une notoriété pour être au-dessus de toute la mêlée qui se joue dans ce monde. Toute cette mêlée qu'il y a, c'est justement le résultat de toute cette activité qui fait que nous avions divisé, comparé, jugé, critiqué et trouvé tout pour pouvoir être soi dans le bien-être, avoir ce sens de sécurité. Et au plus ultime, cela a donné des guerres dans le monde, des gens qui meurent de faim parce que nous ne sommes plus concernés les uns pour les autres. Nous sommes concernés seulement par soi. Et soi d'abord, après les autres. Voilà comment nous sommes arrivés, nous les humains, à mettre en place tout un système qui marche sur la volonté de vouloir réussir. Réussir sa vie. Et en réussissant notre vie, eh bien, on détruit l'unité entre nous. Parce que moi, je suis arrivé. Vous savez, cette expression, on a chacun envie de mettre ce petit crocodile, là, cette marque, et puis se faire valoir avec l'argent, avec son pouvoir. Ça, c'est l'engouement de chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'aller en haut de la pyramide pour le trouver, ces gens-là. Ces gens-là sont au niveau des balayeurs. Le balayeur qui veut devenir un meilleur balayeur, avec un plus grand balai. Et quand il a un plus grand balai, ben, il veut être le patron de tous ceux qui balayent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en haut de la pyramide, eh bien, il y a ceux qui ont voulu prendre tout le pouvoir sur toute l'activité qui se mène dans ce grand jeu de la civilisation humaine. Et tout ça est soutenu par
chacun d'entre nous qui sommes acteurs dans ce monde. Donc si on ne voit pas l'action, on ne revoit pas nos actions, quelles sont nos actions? Parce que l'action que l'on a est très importante pour que nous puissions vivre sans que nos actions créent, donnent de l'huile au moteur. Parce que le moteur de la société, le moteur qui fait tourner la société, est dans chacun d'entre nous. Chacun individuellement, nous avons l'énergie du moteur, l'énergie de ce grand moteur qui tourne dans la cacophonie et dans le chaos. Cette énergie, ce sont nos pensées, ce sont nos envies, nos vouloirs, nos culpabilités, l'envie de vouloir arranger pour soi que les choses soient meilleures, que les lendemains soient meilleurs. Et tant qu'on aura cette envie de vouloir ne pas être rejeté de tout ça, alors on aura cette société. Ça veut dire que il faudrait que tu saches comment t'arrêter. Parce qu'il semblerait que dans notre société, l'esprit des hommes et des femmes sont toujours en activité pour trouver comment faire pour pouvoir exister dans l'apparence dans ce monde. Pour pouvoir agir pour avoir pour soi des privilèges. Pour avoir la possibilité de réussir. Et que toute l'activité qu'on fait depuis des millénaires comme ça a toujours créé plus de chaos. À travers toute l'histoire de la race humaine, il y a eu des guerres pas possibles. Des milliers de guerres, des millions de guerres. Et on continue encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voulons nous-mêmes cette vie où on est exonéré de la perte de nos privilèges, la perte la perte de n'être plus celui que les gens aiment. Donc, tu t'adonnes à vouloir être ce que le monde aimerait voir. Et tu vois, quand tu es comme ça, il y a une certaine inconscience en soi qui fait que tout ce que nous faisons fait exister le monde. Parce que nous voulons des choses pour que nous puissions être bien. Tout ce qui se consomme, tout ce qu'on aimerait avoir pour parader, la belle voiture, un peu plus d'argent, et toujours plus, parce que jamais tu en as assez. Donc, toute cette activité crée ce monde en rivalité. Parce que chacun d'entre nous, on a sa petite idée de comment y arriver. Et toutes ces idées sont divergentes les unes envers les autres. Donc, c'est une bataille constante de tout ce qui se fait dans ce monde. C'est mon état contre le tien, ma religion contre la tienne, mon entreprise contre la tienne. Tout se bagarre pour arriver à mettre en place son idéal. Avoir toujours plus, réussir. Et cette vie que l'on a, c'est tout le résultat de tout ce que nous avons appris à faire. Maintenant, tu peux voir que tout ça, le désastre que c'est, si tu vois, mais même un enfant peut voir. Je pense que si on est assez honnête avec nous-mêmes, on peut regarder le monde et on peut voir toute l'ampleur du désastre, la corruption, tous les mensonges qui se disent. Mais il semblerait que on a accepté d'entendre des mensonges
parce que nous sommes nous-mêmes impliqués dans le mensonge. Donc si on éradique tous les mensonges, eh bien, il faudra éradiquer aussi en soi. Et est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut être terriblement sincère avec soi-même et sans jamais s'adonner à la corruption, à l'hypocrisie, sans jamais faire ça, rester intègre? Parce que le monde ne doit pas changer, lui. Le monde va changer si tu changes, c'est tout. Parce que c'est toi qui as fait le monde. Le monde, c'est ta fabrication, fabrication de chacun d'entre nous. Et c'est quand on arrêtera de donner de l'eau au moulin qu'on sera probablement libre de la tracasserie, de vouloir faire en sorte que les choses aillent dans mon sens. Parce que à ce moment-là, quand tu ne donnes plus de l'eau au moulin, ça veut dire que ce que tu es n'est plus en train de penser. Ce que tu es, c'est-à-dire ce que tu as appris à être, toute cette réussite, cette connaissance, ce vouloir être pour pouvoir exister dans l'apparence, eh bien tout ça disparaît. Parce que toute cette personnalité, ce caractère que l'on a, on s'est forgé soi-même à travers toute son existence, c'est une invention. Ce n'est pas une réalité. C'est l'invention de chacun d'entre nous, de ce que nous aimerions être. Mais cela n'existe pas. C'est une fabulation. Ce qui existe en réalité, c'est ce qui se vit, la vie qui se passe, tout ce qui se joue. Ça, ça existe. Mais nous ne sommes pas présents pour être la perception de ce qui se passe. Parce que, en fait, ce que l'on est une perception. Qui voit tout le problème, qui voit tout ce qui se passe, tout ce qui se joue sur la scène de la vie. On est cette perception-là, une perception qui voit toute la bataille, toute la disparité, toute la réalité qui a été mise en place et qui sont des fausses réalités. Qui sont des illusions que nous avons construites et que nous avons voulu mettre en place pour pouvoir accéder à nos désirs. Tout ça, c'est de l'illusion. Mais il faut que tu voies que, ça, c'est de l'illusion. Et quand tu as vu ça, alors ce que tu es à ce moment-là a une toute autre nature. Il n'y a plus moi, ni toi. Il n'y a pas mon pays, ni ton pays. Il n'y a pas le Chinois ni l'Américain, il n'y a que nous, des êtres humains qui sommes constitués de la même manière, qui avons tous peur de la même manière, qui avons tous de l'hypocrisie de la même manière, qui avons tous des envies, des tendances et tout ça. Et chacun d'entre nous, on le pratique parce que c'est quelque chose qui appartient à l'humanité. Donc quand tu vis, quand tu es comme ça, quand tu es cette chose qui se meut dans le monde, eh bien, tu es l'humanité. L'humanité, c'est toi. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est fait dans le monde pour faire exister ce monde, pour faire exister tous les moi qui dit moi d'abord et les autres après, eh bien, à partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, alors tu n'agis plus. Pour faire continuer ce monde cesse. Ça veut dire que toi, tu es libre de devoir,
te mettre une image, de devoir être le personnage, le caractère, de pouvoir constituer toute ta vie à travers tout ce que tu sais. Alors à ce moment-là, tout ça s'évapore. Il n'y a plus ça, parce que c'est une illusion. Mais ce qu'il y a, ce que tu es à ce moment-là, n'a rien à voir avec ce que le monde est. Toute l'action que tu vas faire sera une action qui va faire en sorte que l'ambiance sera mise pour qu'il y ait unité, il y ait envie de vivre ensemble et pas se séparer les uns les autres. Et je crois que chacun d'entre nous, on a la capacité d'avoir cette action de créer autour de nous cette ambiance. Parce que ce que tu es, c'est elle-même la vie. C'est la vie qui passe à travers ton corps pour créer ça, pour créer cette harmonie. Mais il faut que tu éteignes le feu qui se trouve en toi. Le feu qui a envie de mettre du désir dans sa propre vie, qui s'accapare de tout, qui veut rester tout petit dans sa petite bulle. Donc ce désordre en soi doit être examiné pour pouvoir être éradiqué et abandonné. La bulle que l'on a, c'est une fabrication. La bulle que l'on est soi-même avec toute sa vie, c'est une fabrication. Ce que nous sommes, c'est un sol commun où tout est fait pour que nous soyons un. Mais on s'est donné de l'importance. Et cette importance que nous avons n'est pas vraie. C'est ce que tu te racontes à toi-même. Alors que tu es rien. Rien de tout ce que tu peux penser. Mais tu es dans cette autre dimension, dans cette autre façon de regarder les choses. Il y a une immensité. Il n'y a pas de limite. Un amour inconditionnel, sans limite.